Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Alors je voulais vous laisser un message pour cette fin d'année. D'abord pour vous remercier vraiment du fond du cœur pour toute la confiance que vous m'accordez depuis toutes ces années. Ça fait 35 ans que ça dure et vous ne pouvez pas vous savoir comme je suis touché, toute la gratitude que j'ai au fond de mon cœur de vous voir toujours aussi nombreux, notamment en méditation collective. Et on va faire la dernière méditation collective dimanche, ce sera le 26 décembre. Et je vous invite pour cette dernière de l'année à être vraiment nombreux, qu'on puisse tous s'unir, se réunir pour dans un élan vraiment de soutien, de solidarité, d'amour, de respect, de bienveillance les uns envers les autres. Je voudrais vraiment que cette méditation soit spéciale, pas parce que c'est la fin de l'année, mais c'est une façon de marquer dans cette période vraiment troublée où les choses ont l'air de perdre leur sens, de retrouver justement ces valeurs dont on a absolument besoin, ces valeurs humaines, celles qui nous lient et non pas celles qui nous divisent, celles qui nous séparent, celles qui font que on crée pas toujours des choses très positives. Alors, comme je ne cesse de le dire, si on veut qu'il y ait plus d'amour dans cette société, eh bien, il convient simplement d'en mettre, et c'est à nous d'en mettre. Donc, je compte sur vous pour être là nombreux dimanche, vraiment qu'on s'unisse, et c'est toujours à 10h. Et après les fêtes de Noël, j'espère que vous n'aurez pas trop mangé, et puis surtout que vous n'aurez pas trop participé à la souffrance animale. Surtout épargner ces pauvres oies qui sont gavées toute l'année. On leur développe des maladies du foie pour que nous on puisse s'empiffrer. Je trouve ça, moi ça me fait mal au cœur. Donc que ça soit vraiment l'année de la bienveillance, qu'on finisse l'année dans la bienveillance, dans l'amour, dans l'altruisme, hein, encore une fois, et pour tous. Voilà, je pense très fort à vous. Vous ne pouvez pas savoir comme je suis très heureux de pouvoir partager avec vous ces moments qui sont vraiment des moments uniques. Voilà, alors je vous dis à dimanche 26, à 10h. On se retrouve très vite. Bye bye!